les priorités à droite n'existent pas aux Philippines. Bah, surtout en Provence. Alors c'est le plus gros qui gagne. Enfin, c'est le plus gros qui est la priorité. Les camions. Après les camions, c'est quoi? C'est des bus. Après les bus, c'est quoi? C'est des jeeps. Je suis ici en ce moment. Après les jeeps, c'est les voitures. Ensuite les voitures, c'est les tricycles. Ensuite les tricycles, c'est les motos. Après les motos, c'est les scooters 125cc. Après les 125cc, c'est les scooters 50cc. Et après les 50cc, c'est quoi? Après c'est les vélos. Ouais. Et ensuite, à la fin, c'est les piétons. Voilà. Donc c'est les piétons qui est perdant à la fin. Voilà. Tout ce qui est priorité à droite, ça n'existe pas. Surtout en Provence. Voilà. Ouais. Bon. Là, les petits shops comme ça, là, il y en a partout. En Provence, c'est pas très cher si vous avez un petit creux. Là, il y a Street Food par exemple. Ah, c'est le genre de jeep, là, le moyen de transport que nous, les Philippins, on présente. C'est à peu près de. Bon, allez, de chez moi en Rosales, ça met combien? On verra sans plus haut. Pas personne. Ouais. Souvent il y a de transport. On peut aller moyen longue distance. Tricycle. Genre une moto avec un truc à peu près. C'est plutôt des courtes distances. Donc, et les motos tout seul. Là vous pouvez aller très loin. Quel moyen de transport vous prenez et où vous allez. Donc voilà. Il y a des belles maisons. Il y a des belles maisons, il y a des très moches. Des moches et des...